Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Ça se passe en français en plus, dans cette belle langue de Molière qui était encore vivante, bien vivante en 2019. N'en déplaise à tous ceux qui voudraient la voir disparaître. Elle n'est pas disparue, pas encore. Chers amis, c'est le 11. 11 septembre. Est-ce que c'est une date qui vous rappelle quelque chose? Le 11 septembre 2019, 10h14 du Québec. Je veux vous rassurer, tous ceux qui pensent que l'hiver est terminé, qu'il n'y aura plus d'hiver, ça se fait longtemps qu'on nous raconte ça. Pendant qu'on nous raconte que toutes les villes côtières devraient déjà être inondées, selon Al Gore et Sesbia. Al Gore qui, en passant, hein, euh, on va aller voir ça tout de suite avant que je, je vous... Parle de, cette, de ce lundi 10 septembre, hier dans le Var, qui était le plus froid jamais enregistré. Euh, on a notre ami Al Gore, qui est le plus gros investisseur de cette nouvelle euh, imitation de viande hein, très populaire qu'on appelle Beyond Meat, qu'on commence à voir partout. Je suis allé goûter hier euh, la version hamburger chez. Euh, AIW, une chaîne de restauration rapide ici que vous connaissez, ceux qui habitent ici. Je ne sais pas s'il y en a en Europe. Et c'était très, très bon. Et c'est Gore qui a investi plus de 200 millions là-dedans et qui a fait que le, 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 euh, le marché, euh, leur action sur, euh, à la bourse a augmenté d'une façon spectaculaire, probablement la plus grosse augmentation euh, de l'histoire. Cette viande-là et, et lui, son investissement euh, sont arrivés comme par hasard. En même temps que le rapport de l'ONU au mois de mai, euh, qui condamnait la consommation de viande et qui nous disait qu'il fallait qu'on réduise notre consommation de viande, les autres sont arrivés en même temps. <laughs> Beyond Meat. Et on a sorti euh, cette annonce de l'investissement d'Al Gore et l'action la, 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 a grimpé de façon spectaculaire. Donc, voyez-vous, oh là là. Ah, c'est quand même. Euh, et qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, ben dans les Pyrénées, s'il y en a qui pensaient que l'hiver euh, était pour disparaître, bien, détrompez-vous. D'abord, il y avait la neige qui était au sommet, euh, au rendez-vous hier, hein, au sommet des Pyrénées. Et là, on a euh, euh, eu apparemment. Si je peux trouver mon fameux lien, je devrais le trouver bientôt. Je l'avais tout à l'heure. Euh... Oh, apparemment, il fait très, très froid dans les Pyrénées. Hein? J'ai perdu mon petit lien. Il n'a jamais fait aussi froid dans le Var. Un 10 septembre, donc hier. Comme relayé par la page Facebook Météo Varoise, qui s'appuie sur la base de données de Météo France, plusieurs records de fraîcheur sont tombés ce lundi 10 septembre 2019 dans le département du Var. Si l'on savait déjà qu'il avait beaucoup plus ce mardi, la page Météo Varoise a révélé plus tard dans la soirée que cette journée était devenue historique pour sa fraîcheur. Donc, faut pas s'inquiéter, hein, même si on nous a prédit que la neige disparaîtrait. Ça devait être disparu pour 2014, selon Al Gore et ses euh, sbires. Les villes côtières déjà, non, euh, euh, américaines auraient dû déjà être toutes inondées suite à la disparition totale de la glace euh, pendant l'été, ce qui n'est complètement pas arrivé. Il y a eu une augmentation de la surface de glace de 15 depuis trois ans à peu près. Les hivers sont de plus en plus rigoureux. Tout ça n'est pas arrivé. Les banques continuent à prêter de l'argent sur des amortissements de 50, 60 ans, alors qu'on nous a annoncé la fin du monde pour dans 12 ans. Là, c'est rendu quoi 11, mois, euh, 11 ans ou 10 ans. Donc les banques, soit elles ont manqué un bout de l'information, ou soit elles ont plus d'informations que nous, parce qu'elles continuent encore à prêter sur des amortissements de 50 et 60 ans. Elles continuent toujours à prêter aussi de l'argent à tous ces investisseurs qui construisent sur les bords euh, les de mer. <rire> Donc, <rire> il a fait froid dans le vent. <laughs> le 10 septembre, hier, c'était un record de froid pour le 10 septembre, sans, sans oublier euh, la neige qui est tombée dans les Pyrénées et d'autres endroits, et l'Australie hein, et la Nouvelle-Zélande qui, eu, euh, qui sont en hiver et qui ont euh, des, des petites périodes froides. L'hiver est bien encore existant et parmi nous. C'est pas parce qu'on a essayé de démoniser le fait qu'il fait chaud l'été. <laughs> Les hivers sont disparus. Rassurez-vous. Je vous en reviens.